Yo tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se trouve sur Battlefield 1 sur la carte Balles Funestes au château en mode pigeon de guerre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, c'est simple, un pigeon va être donc va apparaître aléatoirement sur la carte. Les deux équipes vont devoir se ruer sur ce pigeon pour le ramasser. Le premier qui le récupère va devoir le tenir pendant un certain laps de temps, je crois que c'est 3 minutes. Et va rédiger en fait un espèce de message imaginaire, hein, s'il n'y a pas la cinématique où il le rédige, mais en portant le pigeon sur lui, il va le rédiger automatiquement. Une fois que le temps à tenir a été passé, le message s'envoie, donc le pigeon s'envole. Vous pouvez très bien battre le pigeon avant qu'il puisse envoyer le mail, enfin le mail, le message pardon. Et si vous réussissez à la battre, donc bien sûr le point ne compte pas. Si vous n'y arrivez pas, le point compte pour l'équipe. Et l'objectif est à répéter 3 fois, ou à empêcher l'ennemi de le répéter 3 fois, voilà. Donc Stalker, je la connais pas du tout, c'est ma deuxième partie, juste avant j'étais sur Fort, je sais plus quoi là. Du coup, c'est la première fois que je fais cette carte. Du coup, j'ai pas beaucoup débloqué de trucs, hein. On m'a juste conseillé de jouer en assaut pour ce mode de jeu. Du coup, on va jouer comme ça tout simplement. Hop, là. Ouais, ça va rester comme ça. Ok, allez, c'est parti. Je sais pas comment ça va se passer. Faut pas les laisser se barrer avec. Oula, ça lag un peu. Il y a un mec dans le bâtiment, je pense. Ah voilà, là ils ont envoyé le pigeon comme vous pouvez le voir. Putain. Oh, c'est vrai que c'est plus pareil. Bien ça, c'est toujours pas visé. Ah, en fait, quand ils envoient le pigeon, je peux te dire qu'il y a une espèce de petite frappe d'artillerie qui tombe sur notre gueule, enfin sur la position où le pigeon est envoyé. En fait, ils demandent tout simplement un appui aérien ou d'artillerie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à se faire tout droit, elle est belle la carte. On se retrouve tout plein de buts sur la gueule. Vite. Donc là, notre collègue a pris le point, vous pouvez voir. Et du coup, il est en train de rédiger. Ah, dommage. Donc il est en train de rédiger le mail. Enfin, le mail, putain, j'ai quoi que mes mails, moi. Il est en train de rédiger le message, donc 3-0, c'est pas mal. Sauf que je connais pas la map, comme je vous disais. Bon. Donc c'est l'homme à abattre, il a le pigeon, il faut l'abattre. Ah putain, c'est pas possible. J'ai une baïonnette, je faisais F. Ah putain, ils ont envoyé le deuxième pigeon. Il serait bien qu'on chope un pigeon. Voilà, alors ça c'est le tir d'artillerie. Vite que je me casse de là. Mon pote a pas eu de chance, moi ça va. Ah, il s'est fait trancher un peu. Ah si, il a fait sa charge, con. Bon. Enemies picked up the pigeon. Mais non, oh là là. Je vois que mes collègues ils comparent ce mode un petit peu au match à mort, hein, j'ai l'impression. Il faut leur venir en renfort, c'est le pigeon. Ah
Ah dommage. Ça devrait être, je pense, enfin c'est mon point de vue, mais je pense pour ce mode il devrait être interdit la classe, enfin la classe spéciale, la classe élite avec les mitrailleuses, elle devrait être enlevée. À mon avis, je pense que ça serait vraiment bien parce que c'est vrai que ça c'est un jouable. C'est déjà le gros bordel, tout le monde se tape dessus, alors si en plus il y a ça, pas terrible. Alors par contre je comprends pas, ça c'est dommage aussi, quand vous écrivez le mail, enfin le message, le mail, j'arrête avec ces conneries. Quand vous écrivez le message, si l'ennemi vous reprend, ça reprend là où vous l'aviez écrit. Dégage. Ah si, ah, je suis mort. Au moins je les dégage. Allez, butez-le lui, il reste 12 HP. Ça campe. Ah bah là c'est foutu à mon avis hein, pour celui-là. C'est foutu. Ah ouais voilà, ils vont essayer à envoyer leurs pigeons là. Là ils vont nous pigeonner déjà. Tue-le, il est là. Ah putain. Comment tu peux aller sur les tribunes là-haut là ? Ah d'accord. Ah, merde. Je ne vais pas bouger. Et bah bon. Tant pis. Alors, j'ai remarqué un truc sympa parce qu'en fait le pigeon quand part. Quand il part, pardon. On a encore un petit laps de temps, histoire de faire un petit peu quelques kills. Et pour permettre aussi au joueur qui a lâché le pigeon de pouvoir avoir une jolie frappe d'artillerie qui défonce tout. C'est sympa. Ça c'est juste sympa. Donc le mode est sympa hein, dans soi-même. Trop court pour moi. Un peu trop court, enfin vraiment trop court comme mode d'alliancement. Après, à savoir s'il sera adapté à plus de 24 joueurs. Pour le moment, je crois avoir vu que des serveurs 24. Donc 12-12. S'il est adapté pour des joueurs, ce serait vraiment énorme. Tiens, un petit soldat. Soldat français. Voilà, donc bah s'il est adapté pour plus de joueurs, oui ça peut être vraiment sympa. Putain par contre les niveaux on les monte super lent. Je sais pas si c'est moi. Ah je sais pas. Je vais pas vous quitter là-dessus, hein, rassurez-vous, on va refaire une game, une petite game et tout, dans ce mode, et après je vous abandonne. Ok, allez, c'est parti. C'est quoi ça? Ce que j'ai fait, d'accord. Bon, allez. Frontière de l'Empire. Pigeon de guerre. Bon, je sais pas ce que je sais. Ah, alors ça doit être une carte, je pense, qui se passe. Attendez, c'est qui? Force alliée. Ah non, j'aurais cru en Turquie, mais non. C'est peut-être à Royaume d'Italie, pardon. Donc ça se passe en Italie. Autant pour moi. Ok, donc cette carte, je l'ai déjà vue en vidéo, vite fait, hein. J'ai vu une vidéo de Nubes Legend qui la faisait, petite dédicace à lui. Et allez voir sa chaîne d'ailleurs, parce qu'il propose pas mal de contenu sur BF, super intéressant ce qu'il propose. Ok, on a 30 secondes de déploiement. Putain, on a rien, ça fait peur, mes amis, ça fait peur. Ouais, du coup, on va essayer de jouer personnalisé. Oh, c'est bien ça.
peut mettre des lunettes. Ah bah bien. Un petit x2. Ah j'aime bien. J'aime bien, dis donc. La baïonnette, on peut... enlever si on veut pas de baïonnette ou pas. Mais je pense qu'on va la laisser. Ça, on va le laisser normalement. Donc là, un une anti-chair encore à débloquer. Une grenade d'œuf. C'est plus loin que la grenade d'œuf. Ah, c'est en fait, c'est la grenade V40, là, les petites grenades à la con. Et les grenades d'impact, bon. Bon. Moi, je vais rester avec ça. Ah, c'est parti. Putain, oh l'effet de lumière. Oh la carte est vraiment belle. J'adore. Ah bon, je vous jure, là c'est un plaisir. On est vendredi, donc date de sortie, j'avais pas lu Access. Je viens d'avoir le jeu que maintenant. Sur PC évidemment. J'avais joué à la bêta hein, bien sûr. Hein, c'est pour ça qu'il y en a dit il y a une vingtaine de vidéos de la bêta sur ma chaîne. Et là, mais là vraiment c'est un plaisir de voir la carte. Un autre. Non, la... non. Je voulais faire l'inverse, pardon. Là, on referme la porte. Quel pigeon est tout sous nous. Has delivered the enemy's message. Je vais aller jouer sa planque. Ah ouais, tu tiens ta frappe d'artillerie. Avec mon petit viseur cœur là. A pigeon has been located. Avec un petit coup de couteau dans le dos, dans les côtes et dans le dos, ça fait du bien. Oh putain, oui, d'accord, le bâtiment a été pratiquement rasé. Oh, mais je peux encore monter, c'est n'importe quoi. À mon avis, on va voir un mec qui cible qui va essayer de venir. Ça monte. Ah, dommage. Oh, c'est 0, ça c'est un bon petit score hein. Un bon petit score. Ah, alors lui il a voulu. Bah je crois qu'il allait. Il était pour parti pour me réanimer. Allez, on va se mettre avec le pigeon. Soit de là pour lui. Ah donc le pigeon s'enfuit. Et ils ont poussé la... comme vous avez pu voir, ils ont essayé de la battre. Un assaltatore. Je spot tout ça parce que c'est mon pote. Voilà, parfait. A pigeon has been located. La carte est vraiment belle hein, j'adore. Assaltatore nemico, facciamo attenzione. Ah, bien joué. Ah bah, évidemment, hein, que la spécialiste. Pour la peine, je vais switch. Je vais changer. Je vais virer le C4. Je dis pas tellement, mais voilà, on va me prendre ça. Je joue un peu en mode pupute. Hein. Vu que ça joue pupute, je joue pupute, évidemment. Ça ramasse ça. Et moi, je veux la trouver. Oh putain, attention le mortier. Released the pigeon. Le mortier était pour moi. Hein.